Bonjour les amis, bonjour. Voilà les amis, je tiens à vous informer que je n'ai pas propre téléphone. Donc tellement ça remplit la mémoire de mon téléphone que je n'ai pas pu télécharger les vidéos que j'ai eu à faire. Ça m'a complètement bloqué. Donc c'est pourquoi je vous dis souvent ici, quand vous organisez très bien votre calepin, votre journée, votre annuaire, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire des dépenses qui ne sont pas programmées dans votre calepin. Donc, les gars, puisque je n'avais pas prévu m'acheter une caméra pendant que je comptais trop sur mon téléphone pour vous faire des vidéos, voilà. La caméra, mon téléphone, s'est complètement gâté. Là maintenant, il a fallu que je laisse le temps, je me programme, je m'organise pour mettre cet achat d'appareil ou de téléphone encore sur mon calepin et m'offrir. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que je ne pouvais pas recevoir les appels ou faire des appels. Mais en ce qui concerne la vidéo, c'était un peu difficile pour moi. Donc, je me suis organisée pour m'offrir une autre caméra. Là, ce sont des dépenses imprévues. Donc, je n'ai pas voulu trop me mettre la pression. Parce qu'il fallait que je m'offre une caméra aussitôt que l'autre s'est gâtée. Non, parce que ce n'était pas dans mon programme, ce n'était pas dans mon calepin annuel que je devais m'offrir une caméra. Mais par contre, il y a des dépenses imprévues qui arrivent que tu peux le faire. Donc, je viens devant vous m'expliquer tout simplement pour vous dire. Ces dernières semaines que je n'ai pas pu poster, c'est parce que je m'organisais pour m'offrir une caméra. Voilà les amis, ici c'est Marie Solange, celle qu'on ne présente plus. Sur cette chaîne, nous parlons de business, d'opportunités et beaucoup d'autres petites astuces qui peuvent vous aider et même votre entourage. Voilà les amis, je viens de faire une vidéo ce matin-là pour vous montrer comment. J'ai tout simplement appliqué ce petit gommage de tous les jours. Le miel, une cuillerée du miel accompagnée de une cuillerée d'olive, de l'huile d'olive, pardon. Vous faites ce mélange, vous appliquez sur votre visage juste pour vous rendre le visage brillant, l'éclat. Vous comprenez un peu. L'aloe vera, oui, ça le fait. Ça vous rend le visage vraiment, ça vous donne cet éclat-là. Et vous pouvez aussi. D'autres vivent dans des maisons luxueuses. Climatiseurs, ils ont la belle vie. Ceux-là, appelés les gens de grande classe et poche. Vous voyez un peu. Ceux-là, les pots. Est presque comme ceux qui sont ici en Occident. Mais ceux qui vivent un peu dans le lobby là, qui sont en Afrique, qui ne peuvent pas se fournir ou s'offrir un ventilateur, ça, n'en parlons pas du climatiseur, ceux-là, leur peau est totalement différente de ceux qui sont dans qui vivent dans des gratte-ciel. Vous voyez? Donc, arrêtez de copier beaucoup de choses que quelqu'un viendra vous dire. Vous voyez, il y a ci, et mettez comme ça, faites ceci. Non. Ici, en Occident, les gens doivent faire. Si le climat là aussi fait une très grande partie sur notre peau. Le climat que vous voyez là. Le froid. Lorsqu'il fait froid ici, les gens ont tendance, ce qui peut-être n'ont jamais remarqué, la peau change. Lorsqu'il fait chaud, le petit soleil, comme vous le voyez, vous le constatez, le petit soleil qui est là, vous verrez beaucoup des blanches ici seront à la plage. Ils sont en train de se balader dans les parcs, juste parce qu'ils veulent un peu ce soleil-là. Vous comprenez? Mais à la longue, lorsqu'il fait soleil ici,
ça gâte un peu la peau des Africaines. Oui, c'est le froid qui arrange la peau. Le froid lave la peau des Africaines ici en Occident. Mais lorsqu'il fait un peu ce soleil-là, ça te change un peu la peau. Et n'en parlons plus si nous sommes en Afrique et que tu n'as pas de climatiseur dans ta maison. Nous ici, je vous donne vraiment 3 à 4 mois. Moi-même, j'ai fait 5 mois là-bas en Afrique. Ma peau était vraiment agitée. J'avais même des copines qui me disaient, va t'acheter, va t'offrir des trucs là, les gommages pour faire le maquillage. J'ai dit, je ne mets pas des trucs comme ça sur moi. Je suis naturelle et je dois rester naturelle jusqu'à ce que je retourne ici et ma peau redevient normale sans utiliser une crème pour se décaper la peau ou quoi. Non, non. Mais si tu es en Afrique, tu as ton climatiseur, tu as tout et tout et tout. Ta peau est fraîche. Ta peau est fraîche. Et beaucoup de gens augmentent un peu de gens. Même si tu vis dans une maison climatisée, il y a toujours cette différence avec ceux qui sont ici en Occident. Donc, les amis, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Voilà, suivez la vidéo. Comment est-ce que j'ai fait pour appliquer mon visa, mon gommage de ce matin, pardon. Et me voici ce matin sans maquillage, juste un peu du rouge à lèvres Dior. Donc, voilà les amis. Likez, partagez et commentez. Je vous aime. Ici, c'était Marie Solange, celle qu'on ne présente plus. Bye bye. Très bonne journée à vous. Bye bye. Bonjour les amis. Bonjour. Ce matin, j'ai décidé de un peu faire briller le visage. Comme vous le constatez sur cette vidéo, c'est mon petit gommage de ce matin. J'ai décidé de faire briller le visage avec mon gommage, une cuillerée de miel et une cuillerée de olive oil, l'huile d'olive. Bien masser le visage. Pour ceux qui ont des visages secs, la peau sèche, bien la masser avec votre gommage. Ça, c'est un gommage d'un jour. Je ne peux pas vous conseiller de les garder au frigo. C'est un gommage d'un jour. Donc, c'est très simple et facile à faire et à appliquer. Vous pouvez le faire tous les matins si vous avez le temps.
Vous voyez, avec le climat, le froid, et j'ai besoin de faire briller mon visage un peu. Vous voyez, je n'ai vraiment pas trop la peau sèche, mais j'ai vraiment parfois besoin de combattre avant que ça n'arrive. Voilà les gars. Et ensuite, vous laissez ça sur votre visage 10 à 15 minutes. Ça dépend de votre emploi du temps. Moi, je vais la laisser le temps de faire le ménage. Je reviens et voilà. Voilà, regardez les amis. Vous voyez? Vous pouvez aussi l'appliquer jusqu'aux oreilles, hein, et au cou. Voilà les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Thank you for watching. Like it, comment, and share it. Thank you for watching, guys. Très bonne journée à vous, les amis. Bye bye. À tout à l'heure.